Papa Totomboli on attend quoi les lots na kati esika. Père, nous t'élevons ce matin en ces lieux. Tolobi ozali zambe mususu lokola yo azate. Nous déclarons que seul toi es Dieu, nul autre n'est semblable à toi. Merci pour ta fidélité. Matondo pona fidélité na yo. Merci pour ta miséricorde. Matondo pona mawa na yo. Merci pour tout ce que tu fais. Matondo pona nyonso zali kosala. Toye lisusu liboso na yo na tongo alelo. Une fois de plus nous venons devant toi. Lobela motema na biso. Parle à nos cœurs. Simba biso. Impacte-nous. Et que toi jirai kozongi sa lokumu nyonso epana. De notre part nous jurons de rendre toute na ta gloire. Kombo na Yesu masi. Au nom de Jésus. Merci papa. Matondo tata. Au nom de Jésus de Sameli. Amen. Amen. Toko kiko vanda bete la Yesu ma boko makasi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yes. Nazana mutuna na ningna tuna biso na tongwa lelo. J'ai une question à poser ce matin. Banani baza déjà baptisé du Saint-Esprit. Qui est déjà baptisé du Saint-Esprit? Osa déjà baptisé du Saint-Esprit. Qui sait pas beaucoup. Banani baza baptisé du Saint-Esprit na noté. Qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit? Tombola maboko koyoka sonité c'est quelque chose normal. Namuna maboko na likolo makasi. Na lingio bongi samutema na yo na kiuti ya tongwa lelo ozozwa baptême du Saint-Esprit. Bandeko, le diable a son agenda. Satan aza na mokumbu. Ezambe na biso pe, aza na agenda na ye. Et notre Dieu aussi a son agenda. Et pour nani na pose question wana. Pourquoi ai-je posé cette question? Zambe aza na agenda na ye. Dieu a son agenda. A sele batu na ye. Son peuple, a marqué Bango. Qui puisse les marquer. Les qui Bango. Puisse mettre son sceau sur eux. Et dans ces derniers temps, le diable aussi. Satan a paix. A agenda na ye. Le diable aussi a son agenda. A marqué. Batu Oyo a su azui en captivité. Apocalypse 7. À partir de verset 1. Apocalypse chapitre 7, verset 1er, version d'Arpi. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents de la terre, afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Verset 2. Et je vis un autre ange montant de l'Orient, ayant le sceau du Dieu vivant, et il cria à haute voix aux quatre anges auxquels il avait été donné de nuire à la terre et à la mer, disant, verset 3, ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé au front les esclaves de notre Dieu. Merci. Quel sera le signe de fin du temps? Alobi, omoni banda koyo, babrikoyo, gongezo ya, ekotika la moko na mokote, dengezali, yonso ekosala nini? C'est-à-dire, mokili, ezana ebandeli, le monde a eu un commencement et sachez qu'il aura aussi sa fin. Nous sommes vers la fin. Toza pene na suka. Makambozo selema na monde invisible kili kili chaque seconde. Ezala makambozo selema e pa ingana yo to komona te. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ezota sabiso ke to komina suka. Nyoso yo selema na mokila lelo, ezota sabiso ke to komi pensa na suka. Message na te ya kasoki na ke na evangelisation. Et loko yonso ezana ebandeli ezape na suka. À chaque fois que je sors pour aller évangéliser, c'est ça mon message car certainement nazana bitata mchuse kaka yango nazo fait comprendre kende ko. Je te fais comprendre que bien aimé, changer vie, change style de vie, change ton style, repentez-toi, bongola motema. Et loko yonso toute chose oh ezana commencement qui a un commencement ezape na suka a aussi certainement une fin. Nazana micro par exemple et sali toi moi na noté. Ce micro par exemple n'a pas encore fait 3 mois. Nous sommes à Istanbul. Je l'ai acheté à Istanbul. Mais combien de micros n'as-tu utilisé depuis na bani côté? Mais combien de micros ai-je déjà utilisé depuis que j'ai commencé? Et cela qui tout neuf. Et cela qui est chica. Mais après quelques temps. Si matango. Au morning pas na mis na essayer veiller de pouffa. Ça vieillit. Mutu abota milelo. Un homme peut naître aujourd'hui. Akoli. Il grandit. Après. Après un certain moment, il meurt. Alléluia. Au sommet, l'amba au lingi. Tu achètes le vêtement que tu désires tellement. Au linga, au lingate. L'amba wana et qu'on veille après qu'on mette ton champ. Un jour, ça sera comme une serpillère. Journée, tango etani. Le soleil s'élève. Au monde, et qu'on s'y la. Boutueye.
Tu verras que dans Boutou aye, Boutou pe ekosi la. Et loko nyonso eza na ebandeli. Eza pe na suka. Amen. Il n'y a que lui qui n'a pas la fin. Il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Il s'appelle Alpha et Omega. Yes. Le commencement et la fin de toutes choses. Et Sengeli est fait bisous réfléchi. Être conscient que chaque chose a un commencement et aussi une fin doit nous faire réfléchir. Que était le monde dans lequel nous vivons a commencé un jour. Nous avons lu dans la Genèse. Au commencement. Mais sachez la fin aussi. Soukapé et Zoya. Et Zoya. Et dans ma signe prophétique, oh, Jésus a mis ici dans Matthieu 24. Et ça, la Bible soit allé ici. Dans la fin des jours. Tangonasuka, il y aura des guerres les catastrophes naturelles. Alléluia. Amen. Ma peste calamiteuse. Bokono oya mabeya makasi. Makambo ekozala na mokili. Il y aura diverses choses dans le monde. Tremblement de terre. Mabeleko ningana. Famine. Nzala. Nation contre nation. Troubles partout. Ba faux prophètes. Yonso. Toutes ces choses. Les lotos au monde anamis na biso. Ezo kokisama. Nous voyons ces choses s'accomplir devant nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et que les chrétiens seront persécutés. Nous avons déjà commencé à vivre la persécution. Que voulons-nous encore? Ça nous prouve que la fin approche. Toquez dans Apocalypse 13, verset 1. Verset 1er. Apocalypse chapitre 13, verset 1er. Version Darby, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses 10 cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms des blasphèmes. Verset 2. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion, et le dragon lui donna sa puissance et son trône, et un grand pouvoir. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, et sa plaie mortelle avait été guérie, et la terre tout entière était dans l'admiration de la bête. Verset 4. Et ils rendirent hommage au dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête, et ils rendirent hommage à la bête, disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle. Verset 5. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des grandes choses, et des blasphèmes, et le pouvoir d'agir, 42 mois lui fut donné. Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom et son habitation et ceux qui habitent dans le ciel. Verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre au saint et de le vaincre. Il fait la guerre au saint. Et il lui fut donné le pouvoir sur toute tribu et peuple et langue et nation. Verset 8. Et tous ceux qui habitent sur la terre dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau immolé, lui rendront hommage. Alléluia. Ce qui est écrit, c'est comment nous avons écrit dans le livre beaucoup de bomoi. Na tongo alelo, il faut la prête ya kopesa bomoi na yo na Yesu Masia. Et loko tozo tanga, eza loko izo salema en réalité maintenant dans le monde spirituel. C'est que nous lisons chacun avec son Tangozo tanga John 10:10. Yesu alobi, c'est le diable qui est venu voler, détruire et égorger. Yozo kanisa eza eloko moko. Non, yango ezo salema. Batubazo kufa mukolo yonso. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Alléluia. Amen. Parce que son temps est arrivé à l'ingité. So azo luka a effacé. Comment mutu alobake population ya mokili mobimba il faut la diminuer. Ça c'est
confirmation de la parole prophétique de Jésus. Amen. Que le diable vient voler, détruire et comment égorger. Et Zambéaye, mais moi je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Vous avez une contradictoire. Voyez un peu la contradiction. Celui qui est tué, l'autre vient donner la vie. Je crois que Moutouyon soit au monde. Natuni, est-ce que Makambo yo depuis au Botami aussi au Yoki ango dengue aux Yokango mukoloe? C'est pour dire que tout ça n'a qu'à être actualité. 16. Verset 16. Et elle fit qu'à tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front. Verset 17. Et que personne ne peut acheter ou vendre sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Silence. Kimia, vous voyez? Tout le monde. Kimia. Est-ce que ce sont des choses qui se passent maintenant ou pas? Non, je demande à tout le monde. Ce sont des choses qui se passent dans notre monde ou pas? Ça se passe. Et les livres là, autres autant là, ben yangonini. Apocalypse, ça veut dire quoi? Mi betela yesu babukma. Tu peux acclamer pour Jésus. L'obasi manangai chacun. Avec son agenda. Chacun avec son agenda. Agenda na yeza asalani a marqué. Son agenda est n'est-ce de pas? Marqué. Est-ce que tout a nyango? Amen. A marqué. Il puisse marquer. Ache lembo na ye. Il puisse mettre son sceau. L'ikolo ya bat. Sur les êtres humains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 16 alobi bien. Maintenant au kotanga verset 16. OK. Alobi bien que alingi ache marque. Na lingala ko marquer mutu ezani ni elembo. Allons-y. Verset 16. Boye niama oyo etini bato nyonso na makasi te bazwa elembo na liboko ya mobali to na elongi. Ezala bato minene to bato pamba. Bato ya bomengo to ba oyo bakilela. Bawumbu to bansomi. Ata moto moko te akoki kosomba to kotekisa eloko soki azangi elembo yango. To kombo ya nyama to petalo oyo ekokani na kombo ya nyama. 18. Makambo oyo ezali kosenga mayele. Moto nyonso oyo azali na mayele akoki koyeba tina ya talo ya nyama. Pamba te talo yango elakisi moto. Talo na ye ezali kama motoba na tuku motoba. Alléluia. Oyoki denge lingala lobi. Praise the name of Jesus. Mark lobi nini? Elembo. Écoute, agenda ya Satana dans ces derniers temps, Ezia a marqué battu. L'agenda du diable en ces derniers temps, c'est de marquer. Ache marque na ye likolo ya battu. Qu'il puisse apposer sa marque sur les. Ceux qui ont amayé le tanga classe, Romona, Ezawana na réseaux sociaux, Ezawana partout, on en parle tous les jours. Et si vous êtes quand même cultivé, vous pouvez suivre par les réseaux sociaux pour être basé au Belango Mikolonios. Alléluia. Amen. Et Azo Yibsavisio Makumi Alobi, c'est ici la sagesse. Le Banatam Lobi Oyonde et Sengi Bouania. Alléluia. Amen. Que c'est lui qui a de l'intelligence. Moto Oya Mayele. Akoyabo et Abim Sayongai Naza Diable Naza Satan. Non, il faut Ozalana Mayele au décoder. Maintenant, baloni vont ni au côté kate au kosomba te sokozana yangote ni acheter ni vendre. Mais est-ce que vous avez kake ezo loba maintenant déjà? Est-ce que tu en entends déjà parler? Ce sont des introductions. Ezaka kapona ko kote awa eza temporaire. Mais kuna eza éternel. Amen. To futa prix qu'il faut. Yes. Pour to rate kunate. Amen. La vie éternelle, c'est-à-dire la vie ya seko na seko oyo. Libella na libella. Awa est temporaire. On doit payer le prix.
pour rater vie éternelle. Est-ce que vous avez un peu de Amen. Voilà. Maintenant, total agenda ya Zambé Nabiso. Alors, voyons l'agenda de notre Dieu. Alléluia. Amen. Verset 1er, version Darby. Et après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre, voilà, retenant les quatre vents de la terre, afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Verset 2. Et je vis un autre ange montant de l'Orient, ayant le sceau du Dieu vivant, et il cria à haute voix aux quatre anges auxquels il avait été donné de nuire à la terre et à la mer, disant. Verset 3. Ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé au front les esclaves de notre Dieu. Merci. Tozana actualité. C'est l'actualité. So, et l'okweso retourné. Parce qu'il y a des travaux qui doivent se faire. Ce qui retient, et ça peut être mon sale. Dès que Zambé a monique et koki, ma kambo et koyinda nase. Dès que Dieu a vu qu'il a déjà scellé ses serviteurs, il y aura des catastrophes. Ne nuise pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé au fond les esclaves de notre Dieu. Mais vachon, semeur à l'obi, vas-y toi, très bien. Alobi, ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, aussi longtemps que tous anan. Alléluia. Amen. Tant que nous n'avons pas marqué du sceau le fond des serviteurs de notre Dieu. Banani serviteur. Ce sont ceux qui ont déjà réussi. Qui le servent en vérité. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est quoi la marque sceau au Yazoloba? Parce que l'embo yango ya Nzambe ezande nini? Toyoki ya muninga mususu. Nous avons vu le 666. Oyo déjà eza en opération. Qui est déjà opérationnel. Pour abattre oyo baza intelligent. Pour ceux qui sont oyo baza mayele. Qui sont avisés. Bakoki ko sosola. Ils peuvent déjà comprendre. Na Ephésiens chapitre 1. Donc, le livre aux Ephésiens chapitre 1er. Ici ba quatre anges oyo. Ces quatre anges là, ba lobi ba sela. Ils ont dit ba sala mabete. Qui ne fasse pas du mal. Na mabele. Sur la terre. Na banzete. Aux arbres. Na ebale. Ni. Jusqu'à ce que ba oyo ya Zambe ba kozala marqué. Jusqu'à ce que le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu soient marqués. Ba otesh tu sau. Jusqu'à ce que un sceau soit apposé sur eux. Yoka et loko yango. Et suivez, écoutez, quelle est cette marque? Verset 13. Verset 7. Et en Christ, vous aussi, vous avez attendu le message de vérité, cet évangile. Ok? Nani a yoke évangile parmi nous. Écoutez cet évangile parmi nous. Voilà. Qui vous apportait le salut? Évangile, ezo mimela bisonini. Salut. Changement de vie, repentance. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Nous sommes marqués par quoi? Par le Saint-Esprit. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit est marqué par le sang de Dieu. Oya baptisami na molimo mosatu a sui elembo ya Nzambe. Que tu lui appartiens. Oya zotali sete ozaya Nzambe. Tango ba quatre anges wana bako frappe mokili. Quand les quatre anges frapperont la terre. Bako mona ke yo ozana marque ya Nzambe likolo na yo. Ils verront que tu as la marque de Dieu. Est-ce que Badou Mokwa Zazo comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Les marques de l'ennemi 666, les marques de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Boyamonguna Esa 666, Kassian Zambe, Esa de Molimo. Yangona Marc 16, verset 17, Yeswa Lobi, Bilembo Yokolanda Bao Yobandimingai.
Voilà pourquoi dans Marc 7, 17, la parole de Dieu dit que ces signes accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chassent les mauvais esprits. Ils parleront des nouvelles. Et les autres, qui est une preuve du Saint-Esprit. L'un des signes. Marc. L'une des marques. Signe. Et les mots. Et ça. Baptême du Saint-Esprit. Et ça, dans le monde spirituel, que celui-ci m'appartient.